Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Escobar. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour un autre témoin puissant et nous recevons un ex-sataniste brésilien qui va tout simplement nous raconter ses expériences dans le satanisme, dans l'occultisme, dans tout ce qu'on sait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parlera de famille et de souvent certaines choses qui suivent les personnes en fonction des pattes conciliées, leurs aïeux ou encore les ancêtres. Mes frères, ça va être chaud. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner maintenant, cliquez sur la cloche pour l'activer parce que ça va être chaud. Après cette vidéo, une autre vidéo va suivre. Après cette vidéo, l'autre vidéo va suivre parce que son témoignage dure. C'est un chapitre très long. Nous essaierons de prendre partie par partie pour la compréhension de tous les jolis abonnés. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est parti. On écoute déjà la parole de Dieu. Si vous êtes touché, cliquez directement sur j'aime et partagez cette vidéo déjà à quelqu'un. Ça va sans doute l'aider. C'est parti. Je fais la lecture Luc 8, de 26 à 33. Luc 8, de 26. Ils abordèrent dans le pays de Gérasénien, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu de la terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Wow. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il. » Car plusieurs démons étaient entrés en lui et il suppliait Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Amen. 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 Aqui na palavra de Deus. Dans la parole de Dieu. Nous voyons que antes que avant de Jesus Cristo, avant que Jésus chegue à la cidade dos Gadarenos, n'arrive à la ville des Géraséniens, Jesus enfrentou Jésus un temporal était passé par une tempête no mar da Galileia, sur la mer de Galilée. Ali naquele lugar, et à cet endroit, un grande vento, il y avait un très grand vent se passava naquele lugar. Qui soufflait. Antes de qualquer milagre acontecer, avant qu'un miracle ne puisse arriver na vida de uma pessoa, dans la vie d'une personne, sempre vem algo. Il y a toujours quelque chose qui précède. Satanás se levanta com fúria. Satan se lève avec fureur na vida das pessoas, dans la vie des gens. E mesma coisa, et c'est la même chose. Porque Satanás sabia, parce que Satan sait que si Jesus Cristo que chegasse si Jesus àquele lugar, savait que si Jésus-Christ arrivait à cet endroit-là, aquele homem ia ser liberto. Ce démoniaque serait guéri. A história daquele homem ia ser mudada. L'histoire de cet homme. Então ele lança um grande temporal naquele lugar. Alors il a lancé une grande tempête à cet endroit-là. E Jesus ordena. Et Jésus a ordonné que aquele mar se acalme. Que la mer se calme, Jesus, que la tempête se calme. Jesus chega ao vilarejo. Et Jésus arrive donc à ce village. A cidade dos Gadarenos. À la ville des Gérasénien. Deux secondes, ça y va. On y va. Échangé dans la vie de cet tout homme. Mudou-se na vida dele. Tout a été changé. Você pode ter certeza. Vous pouvez être sûr. Que ele tinha um trabalho. Qu'il avait un travail. Ele tinha uma família. Qu'il avait une famille. Porque se você vê no versículo de número 39. Parce que si vous remarquez bien dans le verset 39. Jesus Cristo diz o seguinte. Jésus dit le suivant. Torna para tua casa. Retourne dans ta maison. E conta quão grandes coisas Deus te fez. Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Então aquele homem ele tinha uma família. Ça veut dire que cet homme avait une famille. Mas algo aconteceu mais na vida il y avait quelque homem. Chose qui s'était passé. Algo mudou a quelque vida chose homem. Qui avait transformé sa vie. Algo mudou suas atitudes. Quelque chose avait changé ses attitudes. Ses habitudes, os seus costumes, ses coutumes, tudo mudou-se na vida daquele tout homem. Avait changé dans cet homme. Tornou-se num homem agredi- il s'est transformé revoltado. Dans un homme agressif. Deixou a sua casa. Il a laissé sa maison. Deixou a sua família. Il a laissé sa famille. A palavra de Deus diz que ele et passa la parole a residir de Dieu dit
dentro de cemitério. Qu'il commence à habiter dans les tombes. Tudo mudou na vida daquele homem. Tudo foi transformé dans sa vie. Tudo transformou-se na vida dele. Tout était changé dans sa vie. A Bíblia não diz que aquele homem nasceu endemoniado. La Bible ne parle pas du fait que cet homme était déjà né démoniaque. A palavra de Deus diz que de um tempo para cá. Mas ele diz que il y a un temps. Algo começou a acontecer na vida daquele homem. Quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Eu estava conversando com o pastor King. Je parlais avec Pasteur King. E eu estava falando para ele esta semana. Et je lui racontais donc cette semaine. Nós estávamos conversando. On parlait sobre a maldição que acontece na vida das pessoas. De la malédiction qui entre dans la vie des gens. La malédiction qui entre dans la vie des gens qui suivent les gens. Écoutez bien cette partie, mes frères et sœurs. Écoutez bien cette partie, ça va être chaud. Hereditária. La malédiction héréditaire. A maldição familiar. La malédiction familiale. Como isto vem na vida da pessoa? Comment tout ceci rentre dans la vie d'une personne? Eu estava falando para ele. Et je lui disais sobre a maldição. Que la malédiction familiar. Familiale. Aquela que vem na pessoa. Je lui parlais de la malédiction familiale qui vient sur les esse personnes. Esse demônio. Et ce démon. Quando a criança nasce. Quando a criança nasce, quand l'enfant naît, ele vem já junto no cordão umbilical. Est déjà présent dans le cordon ombilical. Então ele sabe todos os hábitos. Alors il connaît déjà les habitudes, atitudes, les coutumes. Tudo da vida daquela pessoa. Il connaît tout de la vie de cette personne. Tudo mudou-se na vida daquele homem. Tout se transforme. Mas é também a maldição hereditária. Il y a aussi la malédiction héréditaire. Como se transfere a maldição Comment hereditária? Comment il y a ce transfert de malédiction héréditaire? De uma pessoa para outra. Comment cette malédiction se transfère d'une personne vers une autre? Você pode ver. Vous pouvez constater que tem famílias qu'il y a des familles que várias pessoas sofrem do problema de alcoolismo. Dans lesquelles plusieurs personnes souffrent des problèmes d'alcoolisme. E todos vão morrendo desse Et toutes ces personnes meurent de la même façon. Você vê que tem famílias Vous allez encore remarquer que dans les familles que têm problemas de câncer. Qu'il y a des familles qui meurent par le cancer. E vão passando de um para o outro isso. Ce cancer passe d'une personne à l'autre. Como se isto acontece? Comment cela se fait-il? Eu não estou falando na vida do crente. Je ne parle pas de la vie du croyant. Eu estou falando na vida do ímpio. Je parle encore de la vie des païens. Daquele que não tem o Senhor Jesus Cristo. De la personne qui n'a pas Jésus-Christ. Esta maldição familiar. Cette malédiction familiale. Se transfere esse demônio de um para o outro. Se transfère d'une personne à une autre. Da seguinte modo. De cette façon. Quando a pessoa Quand la personne falece com aquele problema. Meurt avec ce problème. Aquele câncer. Avec ce cancer par aí exemple. Aí chega alguém da família. Quelqu'un de la famille vient. E toca naquele corpo. Et touche ce corps. Porque ele beija aquele corpo. Il embrasse ce corps. Aquele demônio que estava Alors, na ce vida démon daquela qui était dans pessoa, la vie de cette personne morte. Ele se transfere. Vient sur la personne. Para outra pessoa. Qui était en train d'embrasser aí le corps. Aí vai na sequência da família. Et c'est comme ça que ça passe de famille Isto en famille. Começa a acontecer de génération en génération. Et c'est comme ça la malédiction héréditaire. De génération en génération. Eu não estou falando na vida daquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Je vous parle pas de la vie de la personne qui est couverte par Eu estou falando daqueles que não têm Jesus. Je parle de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Isso que vai acontecendo. Et c'est comme ça que é cela se passe. É naquele momento do funeral. Au moment où il y a le deuil, il y a l'enterrement. Que a pessoa chega. La personne, les familles arrivent. Toca naquele corpo. Touche ce corps. Aquele demônio sai daquele Et ce démon qui était présent dans ce corps mort passe. E passa para outra pessoa. Dans le corps de la personne qui vit. Você pode ver. Et vous pouvez remarquer. Logo em seguida. Que justement après alguém daquela família quelqu'un donc dans la famille aquela pessoa une autre personne dans la famille ou várias daquela família várias plusieurs pessoas plusieurs personnes de la même famille começa a ter os mesmos problemas commence à avoir le même problème os mesmos sintomas les mêmes symptômes aí vem a maldição héréditaire et c'est comme ça que la malédiction héréditaire entre dans la famille c'est pourquoi il y a certaines familles qui ne meurent que de tuberculose et la famille a accepté ça ce que tu acceptes là C'est ce que tu sais, ce qui va dominer sur toi. Il faut rejeter cette maladie. Il faut dire non. Que cela s'arrête à mon niveau. Au nom de Jésus, moi je ne mourrai pas de tuberculose aujourd'hui. Je te parle de quelque chose. C'est la réalité. Écoutez bien. Vous comprenez comment, as coisas acontecem? Comment les choses se passent? E a Bíblia Sagrada diz Et la Bible dit que, este homem passa a residir que cet homme commence à habiter dentro de uma catatumba, dans les tombes, dentro de um cemitério, parmi les tombes, dans un cimetière. Várias vezes tentaram prender este homem. Plusieurs fois, on a essayé de le lier. Mas a Bíblia diz que ele arrebenta as correntes. Dit qu'il se délie, qu'il enlève les chaînes. Ele sai pelo mundo Et il repart dentro do cemitério. À l'intérieur du cimetière. Amados.
Bien-aimé, muitas vezes, plusieurs fois, isto pode estar acontecendo na sua vida. Ceci peut se passer dans vos vies. Você já não tem prazer mais estar na casa vous do n'avez Senhor. Même plus le plaisir d'être dans la maison de Dieu. Você se olha no espelho da vous sua vous casa. Regardez dans le miroir. Você fala assim, já não me reconheço et mais. Vous dites, je ne me reconnais pas. Os meus hábitos, mes habitudes, as minhas atitudes, mes attitudes, tudo mudou em mim. Tout a changé estou en moi. Transformado. Et je suis transformé. Algo mudou realmente. Il y a quelque chose qui a vraiment changé dans ma quantos vie. Quantos daqui? Combien ici? Nesta manhã, ce matin, que já pensaram em abandonar tudo, n'ont pas déjà pensé à tout laisser tomber, mundo afora, à partir en courant, deixar casa, deixar à família, laisser la maison, laisser la famille. Isto é demônio. Ça, c'est un démon, agindo. Les amis. C'est un démon na qui agit da pessoa. Dans la vie de la personne. Você tá entendendo, vous mano? Comprenez como as coisas acontecem. Comment les choses se passent. Os hábitos, les habitudes, as atitudes, les tudo attitudes, toutes ces choses. Eu na minha igreja. Dans mon église. Todo dia na porta da minha igreja. Tous les jours à la porte de l'église. Passava-se uma prostituta. Il y avait une prostituée qui passait. E lá no Brasil as igrejas. Et là au Brésil les églises. São de porta aberta para a rua. Il y a des grandes portes ouvertes qui sont qui donnent donc sur direto la rue. Na calçada. Donc vous voyez les gens passer. E essa prostituta passava todo dia. Et cette prostituée passait tous les matins. Na porta da igreja. À la porte de l'église. E ela fazia assim: "Oi, pastor!" Elle disait "Bonjour, pasteur!" Todo dia. Tous les matins. Ela passava ali, ela falava elle isso. Elle passait, elle disait ça. Oi, pastor. Bonjour, pasteur. Os diáconos falava para ela entrar. Et les diacres lui disaient d'arrêter, mais elle ne voulait não. Pas. Mas eu estava a notar. Alors, il était à sur la chair. Ela passava, oi, pastor. Et elle continuait, bonjour, pasteur. Eu fazia assim, d'altar para ela. Et moi, je lui faisais comme ça, eu de la chair. Eu comecei a falar para Deus. J'ai commencé à dire au Seigneur. Senhor, eu quero essa jovem aqui na igreja. Seigneur, je veux cette femme dans mon église. Eu quero essa jovem je aqui. Je veux qu'elle puisse entrer à l'église. E lá veio ela. Et finalement, elle est venue dans l'église. O dia que ela veio à igreja. Qu'est-ce que tu savais dire? Ça veut dire que c'est ce que tu veux, c'est ce que j'attire vers toi. Parfois même là, on n'a pas besoin de trop prier même. Pour dire, Seigneur, je veux l'argent, jusqu'à je veux l'argent. Souvent même, tu peux être là comme ça, puis tu vas dire, franchement, dans ton cœur va dire, ah, aujourd'hui là, vraiment, moi-même là, j'ai envie d'adorer Dieu, mais comme sur toi. Il y a longtemps quand même, oh, ah, qu'est-ce qui ne va pas même? Tu vas voir que Dieu va créer une situation où toi-même, tu seras en train de l'adorer. Si tu as besoin de quelque chose d'intéressant, de précieux qui va t'aider, et que ton cœur même parle à l'intérieur de toi, tu verras la manifestation. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu, il écoute ton cœur. Et il te donne ce que tu as, ce dont tu as besoin. Moi-même, je suis un témoignage divin. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole de Dieu, là, que Dieu s'occupe de nous, comme mieux que c'est les oiseaux, là, ou bien comme les oiseaux. Je pense que c'est la vérité, quoi. Et cet homme, dans son cœur, il désirait voir cette fille-là venir seulement à l'église. Toujours elle passe. Ah, bonjour, pasteur. Oh, elle était une prostituée. Vous avez vu qu'on ne doit pas juger les gens, non? La fille que tu étais de juger aujourd'hui, tu dis, ah, c'est la mariée de venir, c'est une prostituée, elle est maudite. Demain, là, sa vie peut changer. De toute façon, c'est moi, j'ai là. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Écoutez bien. Que ela veio à igreja. Le jour où elle est arrivée à l'église. Eu não sabia. Je ne savais pas. Se ela estava de cinto ou de saia. Si c'était une ceinture ou une jupe qu'elle portait. Era uma palma aqui. C'est arrivé jusque là. Eu não sabia. Et je ne savais pas. Ela chegou. Elle est arrivée. Toda pombosa, toda cheia de tout bien rempli de démons, bien sûr. No primeiro banco. Elle s'est assise là, à la première rangée. Terminou o culto. Le culte s'est terminé. Ela veio falar comigo. Elle est venue me parler. Ela falou, o senhor sabe? Elle a dit, est-ce que vous savez? Que eu trabalho a uns 50 metros daqui. Que je travaille à 50 mètres d'ici. Eu falei, eu sei. Et je lui ai dit, je sais. Eu sei que você trabalha ali. Je sais que tu travailles là. Foi de lá. Et c'est là. Eu tenho ouvido o senhor falar. C'est de là que je vous entends prêcher. E tem me dado uma vontade. Et ça m'a donné une envie de venir. Ela disse. Elle m'a dit. Eu falei que você quer que eu faça por ti. Alors je lui ai dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Que o senhor reze. Alors elle a dit que vous puissiez prier pour moi. Eu pus a mão sobre alors je lui ai imposé les mains. Jovem.
comecei a orar por ela. J'ai commencé à prier pour elle. Aqueles demônios manifestaram-se. Tous ces démons commençaient à se manifester. Si a saia era um palmo aqui. Cette ceinture jupe qui était là est montée jusque là. Vous comprenez? O que aconteceu? Ainda bem. Encore une chance. Que já tinha acabado o culto. Que le culte estava fini. Só os diáconos, as diaconisas, il n'y avait que les diacres et les diaconesses. Você está entendendo? Vous comprenez? Orei ali por ela. J'ai commencé à prier pour elle. Quando eu terminei de orar. Et quand j'ai fini de prier. Que ela foi liberta. Et qu'elle a été libérée. Eu perguntei qual o seu nome. J'ai demandé comment tu t'appelles. Ela falou Maricélia. Elle a dit Maricélia. Marie Seria. Eu falei, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Est-ce que tu vas accepter le Seigneur comme Christ et Sauveur? Ela falou não. Elle a dit non. Saiu correndo da igreja. Elle est partie en courant de l'église. Elle au moins s'est dit la vérité, mes frères et sœurs, vous réagissez maintenant dans le petit commentaire. Est-ce que c'est faux? Elle a dit la vérité parce que ce qu'elle regarde, elle regarde sa vie. Elle regarde ce qu'elle est en train de faire comme ça. La prostitution dans laquelle elle est. Elle se dit franchement, elle n'est pas propre pour accepter Jésus-Christ. Elle a dit non, elle est partie en courant. Hé! Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a commencé à bouleverser sa tête. Des choses ont commencé à se manifester en elle. Et elle est dépassée. Elle entra à l'église. Quelque chose l'a tiré à l'église. C'est qu'il y a quelque chose qui brillait, cet homme de Dieu-là. C'est ce qui l'a poussé à le saluer, à l'aimer, même sans le connaître. Et elle disait qu'elle entendait la parole de Dieu de cet homme qui prêchait la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut prêcher la parole de Dieu, il faut parler de Dieu à notre entourage. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui était condamné à aller en enfer, qui va revenir sur le bon chemin et être sauvé. C'est pourquoi tous les jours, nous avons un travail, si nous avons un bon travail. On travaille, si on se remonte 2, notre deuxième chef de travail, si on se remonte 3 aussi, on continue à travailler, et ça va être chaud, parce que nous n'allons pas nous arrêter, nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons faire tout ce qui est notre possible pour sauver le maximum d'âmes, faire le maximum de vues possible, afin que les gens puissent entendre, ne serait-ce que Jésus, et que ça puisse transformer leur vie, comme cette fille-là. Est-ce qu'elle est prête pour accepter Jésus-Christ? Elle a dit non, elle a couru et elle est partie. Elle est sincère, elle regarde sa vie, elle ne se sent pas dans le chaud. Mais écoutez encore. Je lui ai dit, est-ce que tu vas accepter le Seigneur comme Christ et Sauveur? Je lui ai dit, est-ce que tu vas accepter le Seigneur comme Christ et Sauveur? Elle a dit non. Elle a dit non. Et elle a dit non. Elle est partie en courant de l'église. Et elle est partie en courant de l'église. Ça veut dire qu'en ce moment-là, c'est posé la question de dire, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est là, les démons parlent à son esprit. Et la réponse qui lui est venue de façon spontanée dans sa bouche, c'était non. Donc vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Si le Seigneur Jésus-Christ t'a attiré aujourd'hui vers cette vidéo pour regarder cette vidéo-là, comme ça, peut-être de la regarder, de déguster même cette vidéo, c'est que Dieu veut faire bien de ta vie. Vous allez voir ce qui va se passer. Écoutez bien. Je suis revenu sur la chair. Foi Deus. Se eu não trouxe essa jovem aqui em vão. J'ai dit Seigneur. Tu n'as pas amené cette jeune ici en vain. Se eu trouxe essa jovem com propósito. Tu as amené cette jeune parce que tu avais un but pour elle. Passou 10 dias. 10 jours après. Ela veio de novo. Elle est revenue. A saia já aqui. La jupe était déjà un peu plus longue. Oh. Sentou no primeiro lugar. Elle s'est encore assise à la première rangée. Terminou o culto. Et quand le culte s'est terminé. Ela veio para o meu lado. Elle est venue à côté de moi. Pourquoi selon vous sa jupe est devenue un peu plus longue? C'est parce que elle a senti que la jupe qu'elle avait portée précédemment n'était pas appropriée pour venir dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit qui s'était étouffé par les démons qui se trouvaient en elle a commencé à errer, c'est-à-dire à prendre vie en elle. Le temps de Dieu, c'est ce jour. Si toi, tu es dans la souffrance comme ça, tu es dans même la pornographie, tu es en train de faire les films pour nous, ma soeur, mon frère, ma soeur, c'est à toi que je parle. Dieu veut te toucher aujourd'hui. Dieu veut t'amener vers lui. Ton temps arrive. Et voici que ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Et les démons qui ont commencé à la quitter vont laisser place à la présence de Dieu.
et elle va commencer à voir qu'elle était sur le mauvais chemin. Il faut se ranger. C'est pourquoi son vêtement, sa jupe, est devenue de plus en plus longue et parfaite. Et toi, ma soeur chrétienne, réfléchis bien sur comment tu t'habilles maintenant. Vous voyez? Parce que tu ne peux pas entrer au ciel avec ça, avec un mini 2 cm. Toute comme ça étirée. Et elle me dit, eu quero saber, je veux savoir o que o senhor fez comigo. Ce que tu as fait sur moi. Eu falei, por quê? Je lui ai dit pourquoi. Ela falou, não vou mentir para elle m'a dit, je ne vais pas te mentir. Eu voltei para a esquina para trabalhar. Je suis retourné là, il y a 50 mètres pour travailler. Mas algo aconteceu Mais il y a comigo. Quelque chose qui avait changé en moi. Naquele lugar, dans cet endroit-là, ninguém me enxergava. Il n'y avait plus personne qui venait vers moi. As minhas amigas saíam. Mes amis sortaient. E eu ficava lá elles parada. Allaient travailler et moi je restais là. Ninguém me via. Et personne venait. Naquele lugar. Personne venait. Eu falei, sabe o que aconteceu contigo? Et je lui ai dit, tu sais ce qui s'est passé? Aqueles demônios. Tous les démons qui levava você qui te poussait a ter seus hábitos à avoir ses habitudes atitudes cette attitude todos mudados tous ces demônios partiram da sua vida sont partis de ta vie. Você Amen. Que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Est-ce que maintenant tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur? Ela falou, oh. Eu quero. Elle a dit oui, je veux. Elle a dit oui, je veux. Ça veut dire que pendant qu'elle était à la maison, Dieu continuait à faire un travail puissant en elle. Quand elle était endormie, quand elle était dans son sommeil. Et c'est le résultat qu'elle a. Je veux maintenant accepter le Seigneur Jésus-Christ. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que quand une âme est sauvée dans le ciel, tout le monde se réjouit. Que voulez-vous que je vous dise, mes frères et sœurs? Soyons en joie, mes frères et sœurs, sautez. Applaudissez, s'il vous plaît, c'est extraordinaire. Waouh! Comment se fait-il? Si ça arrive à cette fille, ça peut arriver à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Et ce qui est étrange, c'est que Dieu va faire passer cette femme de cette mauvaise vie à une bonne vie. En plus, elle va rencontrer un bon mari. Elle aura même des enfants jolis, jolis. Oh, ça va être chaud. Écoutez. A Maricélia. A Maricélia, hoje. Cette fille, aujourd'hui. Esta jovem. Cette fille, hoje, aujourd'hui, é uma mãe na igreja, c'est une mère dans l'église crianças. De 4 enfants. A vida mudada. La vie a changé. Dirigente do louvor da igreja. Elle, c'est elle qui dirige la louange à l'église. É isso que Jesus Cristo faz. C'est ça que Jésus fait. É isso que Jesus Cristo faz. C'est ça que Jésus peut faire. E Jesus Cristo estava chegando a esse lugar. Jésus-Christ donc est arrivé à cet endroit. A cidade dos gadarenos. Cette cité des Gerazéniens. E ali tinha homem possesso de démons. Et il y avait cet homme possédé, rempli de démons. E Jesus pega uma rua. Et Jésus marche. Vai passar bem em frente àquele cimitério. Il va passer bien devant ce cimetière. Uma batalha espiritual estava sendo travada. Et à ce moment, une bataille spirituelle a muito été déclenchée. Forte naquele lugar. Une bataille très forte. Mas Jesus estava chegando. Et Jésus ne faisait que passer. E quando a luz chega, et quand la lumière arrive, as trêvas têm que sair. Les trêves doivent reculer. Muitas, les ténèbres doivent reculer, pardon. Muitas vezes, plusieurs fois, o crente chega nos pastores. Le croyant qui arrive vers le pasteur assim, et dit, eu sou o único crente na minha família. Je suis le seul croyant de mon de ma famille. Eu sou o único crente dentro Je suis da minha la seule casa. Personne qui croit dans ma maison. Eu falei, dá glória a Deus. Et moi je lui dis, mais donne gloire à Dieu. Jesus Christ te colocou Man, como luz naquele Jesus lugar. Jésus-Christ t'a mis comme une lumière dans e cet você endroit. É luz naquele lugar. Que tu sois une lumière. E se você é luz, Et si toi tu es une as lumière, trevas vai sair. Les ténèbres vont dá sortir. Glória a Deus por isso, les ténèbres Amen. Vont sortir. Alors il faut rendre gloire à Dieu. Você é luz dentro da tua Parce casa. Que vous êtes la lumière de vos maisons. Amen. E Jesus Amen. Chega. Et Jésus arrive. À cidade dos gadarenos. Cité de a cidade estava mudada. La cité avait changé. Totalmente transformada. Complètement transformée. Aquele homem vê que Jesus Cristo está chegando. Cet homme voit que Jésus arrive. Aquele homem possesso de Cet homme démoniaque. Sai de dentro daquele cemitério. Il sort du cimetière. Vem, se joga aos pés de Jesus Il Cristo. Se jette aux pieds de Jésus-Christ. E diz o seguinte. Et dit, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Fils du Dieu très haut. Vieste nos atormentar. Pourquoi me tourmentes-tu? Antes do tempo. Avant le temps. O que aqueles demônios estavam querendo dizer para Jesus? Ce que ces démons voulaient dire à Jésus. Já o tiramos da sua casa. C'est que
Já tiramos da sua família. On l'a déjà enlevé de sa famille, on l'a enlevé de sa maison. Destruímos seu lar. On a déjà détruit sa maison. Fizemos dele mendigo. On a fait de lui un moins que rien. Fizemos dele alcoólatra. On a fait de lui quelqu'un un alcoolique. Fizemos dele drogado. On a fait de lui un drogué. Acabamos com a vida dele. Sa vie est finie. Só falta uma coisa, Jesus. Il manque une seule chose. Só falta matá-lo. Il ne reste plus qu'à le tuer. E tu viesse antes do tempo. Et toi tu viens. Você está entendendo? Vous comprenez? Vocês estão entendendo? Vous comprenez? A Bíblia diz. La Bible dit. Que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Le voleur vient pour détruire, égorger. Et Jésus Christ. Voler, détruire, ordena tuer. Que aqueles demônios. Et Jésus-Christ ordonne à ce démon. Saia da vida daquele homem. Sors de la vie de cet homme. Aqueles demônios. Et tous ces démons. Para sair daquele lugar. Pour sortir de cet endroit. Eles não queriam ir embora daquela província. Ils ne voulaient pas partir. De cet endroit. Havia uma legalidade naquele lugar. Donc ça veut dire qu'ils avaient laissé un droit eles à ces démons dans cet endroit-là. Parce qu'ils ne voulaient pas laisser cette ville. Havia uma legalidade muito forte. Ça veut dire que cette ville avait laissé un droit à ces démons. Há demônios hoje. Il y a des démons aujourd'hui. Donos de cidade. Qui dirigent des villes. Démons hoje, des démons aujourd'hui. Donos de ruas, qui dirigent les rues, qui sont propriétaires de rues. Démons, donos de encruzilhadas nas ruas. Il y a des démons aujourd'hui qui ont des endroits dans les rues qui leur sont propres. Há démons hoje, donos de igreja. Il y a même des démons qui sont responsables dans l'église. Muitos demônios, il y en a plusieurs aujourd'hui qui contrôlent l'église. Qui contrôlent l'église. Contrôlent la vie des pastors. Qui contrôlent la vie des pasteurs. Qui contrôlent la vie des croyants. Démons qui agissent. Il y a des démons qui agissent das igrejas hoje. Dans les églises aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc ces démons-là ne voulaient pas partir de cette ville. Permita. Ils ont dit permet que nous puissions rentrer dans ces pourceaux. Et Jésus permite. Et que Jésus a permis que aqueles demônios entrent dans aqueles porcos. Puissent entrer dans ces pourceaux. Pourquoi Jésus permite? Pourquoi Jésus a permis? Porque aquelas pessoas. Pourquoi ces personnes? Não tinham compromisso com Jesus Cristo. Parce que ces personnes n'avaient pas une alliance avec Jésus-Christ. Porque se nós temos compromisso Parce com que Jesus si nous Cristo, avons une alliance avec Jésus-Christ, Deus guarda Dieu garde o nosso patrimônio. Notre patrimoine. Deus guarda Dieu prend soin todo o nosso patrimônio. De notre patrimoine. Aquelas pessoas Ces gens não tinha fidelidade n'étaient certainement pas fidèles à Jésus. Com Jesus Cristo. À Jésus-Christ. Malaquias 3:10. Malachi 3:10. Diz o seguinte. Dit, que o Senhor repreende. Le Seigneur réprimande. O devorador. Celui qui dévore. O migrador. Celui qui dévore. O portador. Celui qui tue. O destruidor. Celui qui détruit. Da nossa vida. Nos vies. O patrimônio daquelas pessoas. Ça veut dire que donc dans cette cité. Estava na mão do diabo. Le patrimoine était dans les mains du diable. A fidelidade nossa com Deus. Notre fidélité envers Dieu. Dízimo. Doit être dans, se manifester par les dîmes, oferta, les offrandes, na casa do Senhor. Dans la maison du Seigneur. Isto repreende. Et ce genre de choses. Esses demônios. Fait que ces démons de entrar na nossa vida, ne rentrent pas dans nos vies. À travers da tua fidelidade. Au travers ta fidélité. Aquilo aconteceu. Ce qui s'est passé. Porque aquelas pessoas não tinham fidelidade. Ce qui s'est passé dans cette ville, c'est parce que ces gens n'étaient pas fidèles à Dieu. Vous comprenez? Queridos. Bien-aimé, na minha vida não foi diferente. Dans ma vie, c'était pas différent. Eu fui o 14º. Je vous ai dit que j'étais le 14e. Satanista ligado a Lucifer. Sataniste très lié à Lucifer. Satanista ligado a Lucifer. Un sataniste qui est vraiment lié à Lucifer. São os Illuminati. C'est les Illuminati. São aqueles. C'est les personnes que participam. Qui participent. De reuniões. Aux réunions, planos, aux plans, traçados, aux projets, sobre países, qu'on fait sur des pays, cidade, sur des villes, o mais importante, et le plus important, são países, ce sont les pays, e cidade, et les villes, sendo aprisionado, qui soient captifs, os principados, les principautés, desta cidade, de ces villes. Eu estava aqui na França, aqui em Paris, j'étais ici à Paris, o mês de julho, en juillet, e eu estava na casa do irmão Cassi. Et j'étais chez le diacre Cassi. E ali eu estava no quarto, no apartamento. Et j'étais donc dans la chambre dans l'appartement. E olhei para o céu. Et je regardais à l'extérieur dans le ciel. Olhando para o céu. Je regardais comme ça vers le Deus ciel. Deus me abriu os olhos espirituais. Et Dieu m'a ouvert les yeux spirituels. O Senhor me mostra. Le Seigneur me montre. Muito mundo espiritual.
Le Seigneur souvent me montre le monde spirituel. Eu vejo demônios. Et je vois des démons. Na vida das pessoas. Dans la vie des gens. Aonde que ele está atuando na vida da pessoa. Je vois comment ils agissent dans la vie des personnes. Isso não acontece como acender de luz. Ça ne se passe pas comme ça. Não. Non. Isto só quando Deus permite. Seulement quand Dieu permet. Quando as coisas aconteçam. Que les choses se passent. Eu estava na casa do. Alors irmão, j'étais là dans la maison. Olhando. Je regardais. De repente. Et tout d'un coup. Rosto. Il y a un grand visage. Enorme. Énorme. De um palhaço. D'un clown. Sentado. Qui était assis. Na lua, meia lua. Sur la lune. Com o rosto pintado. Avec son visage qui avait du blanc. E aquela visão foi se chegando a mim. Et avec une petite larme. Et cette vision s'approchait sur moi. Ele falou para mim. Et il m'a dit. Eu sou Pierrot. Je suis Pierrot. O principado sobre Paris. Sobre le, la principauté qui règne sur Paris. Você está entendendo? Vous comprenez? Você compreendeu? Est-ce que vous comprenez? O principado que rege sobre la aqui. La principauté qui règne sur Paris. Ele disse, eu sou Pierrot. Il a dit, je m'appelle Pierrot. O principado que age sobre Paris. La principauté qui gouverne Paris. Une principauté, c'est un démon puissant qui gouverne un peuple, un prince des ténèbres, qui gouverne un pays, et c'est ce qu'il a vu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous allons tout entendre dans la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas voulu cliquer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Sur Nyanskoban, pour nous soutenir, vous pouvez cliquer sur Nyanskoban. Vous aurez accès à notre page d'accueil où vous verrez Nyanskoban 2 et Nyanskoban 3. Abonnez-vous également sur nos deux autres chaînes. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs. Préparez-vous pour cette vidéo qui va paraître là tout à l'heure. Ça va être chaud. C'est parti.